Thank you.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir aussi nombreux à ce concert de Noël. Effectivement, nous avons dû faire deux séances dans la même soirée, donc vous êtes les premiers. On a une pause après, il y aura une deuxième séance. Voilà, donc l'amphithéâtre est là, c'est vraiment super. C'est un peu mon baptême du feu, puisque vous savez, je remplace Julien Garde qui dirigeait jusqu'à la saison dernière le cœur de musicologie. Alors ce soir, c'est évidemment la thématique de Noël, mais pas seulement, puisqu'on a un peu une triple thématique. Noël tout d'abord, ensemble de cuir, comme vous pouvez le constater, et aussi musique anglo-saxonne. Vous venez d'entendre, anglo-saxonne et américaine, vous venez d'entendre une pièce de Daniel Pinkham, donc qui est un compositeur américain, qui est né en 1923. C'est pas facile de parler après avoir dirigé. Ça. Le souffle va se poser petit à petit. Donc Daniel Pinkham, qui est né en 1923 et mort en 2006, il a beaucoup enseigné au conservatoire de Boston et il a créé cette pièce-là pour des anciens élèves de conservatoire en 1957. Il l'a créé en pensant beaucoup, en fait, dans sa musique, en s'inspirant beaucoup, d'une part, du plein chant médiéval, qu'on a pu entendre dans le numéro 2, et aussi pour un petit peu les danses de la Renaissance. Donc il était très absorbé par, justement, cette musique ancienne, et il a essayé de le retranscrire dans cette pièce-là. Donc c'est la première pièce que vous venez d'entendre, elle comportait trois mouvements, et maintenant nous allons passer à un autre compositeur qui s'appelle John Rutter, donc il a écrit complètement anglais, qui a 71 ans, il est né en 1945, il était élève à Cambridge, il a été d'abord choriste dans ce collège-là, après chef de chœur, et il a créé un chœur qui s'appelle les Cambridge Singers, avec lequel il a enregistré beaucoup, d'une part de sa musique, mais aussi beaucoup de musique chorale sacrée. Donc c'est un ensemble qui est vraiment spécialisé dans la musique chorale sacrée. John Rutter lui-même, en tant que compositeur, a écrit majoritairement pour des pièces chorales. Alors cette pièce que vous allez entendre donc, dans quelques instants, il s'agit du Gloria, en fait il s'agit de sa première cantate. Et c'est là où on fait un petit peu le lien avec Pinkham, puisque ce Gloria de Rutter, en fait, il l'a créé aux États-Unis en 1974. Puis après, il a fait bon nombre de pièces, mais ça marque un petit peu le début de ses débuts en tant que compositeur. Il a également arrangé et composé des carols pour Noël, donc on va vous en proposer deux avant le Gloria de Rutter, Angel's Carols et Mary's Lullaby. Mother, Son, and the Angel.
Bien fort, vous avez Jean-Luc pour vous.
falala, 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 là. Il y a deux, trois petits fa articulés qui tombent d'ailleurs des fois sur des sols, mais bon. Falala, là, là. On dit un, deux. Falala, falala, là. Falala, là, là, là. Falala, là, 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 là. Et ça, on va le faire 4 fois de suite. Donc, quand ça arrive, je me tournerai vers vous et ça va bien se passer. Au début, là. Chaque lundi matin, vers 9h, c'est ce que je veux dire, c'est pas facile, c'est tout. Voilà. Donc j'ai remercié aussi les étudiants d'être frais et dispo parfois, et souvent quand même, pour commencer ces cours. Donc grand merci à l'université, grand merci à Luc qui nous a fait une magnifique régie pour ce concert. Ouais. De Saint-Étienne, puisque c'est un projet en collaboration avec eux, et tout particulièrement Gilles Pézère. Si tu veux venir, Gilles, où es-tu? Oui. Gilles, tu peux venir, enfin, parce que c'est lui qui a assuré toute l'organisation. Joyeux Noël et soyez heureux.